Radio Sugar, barré Delta 02, le département 02 en activation, QRZ. Radio Sugar 055. I-14, Radio Sugar 055, Mike 73. Mike, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc comme je sais, ben, je suis en activation depuis 5 minutes, hein, ça s'est décidé sur le coup de feu. Donc il n'y a pas de problème, Mike, tu peux noter dans le log, 14RS 055, Mike, ici 14 Radio Sugar, il faut que j'aille parce que j'ai tendance à donner l'indicatif complet devant ma station. 14RS, barrel Delta 02, Mike, retour. Ouais, ok Ghislain, bonjour, 73, j'espère que tu vas bien. C'est dommage que j'étais occupé à autre chose là, sinon j'aurais été un petit peu plus vigilant, j'aurais peut-être pu être le premier dans le log, hachi. C'est pas bien grave. Ok pour ça, il y a un petit peu de fading là, ou je sais pas, peut-être que tu as tourné l'antenne pendant que tu conversais. Tu fais des pointes à 59 et sinon ça aussi entre 5.3 et 5.9. Hein. Voilà, donc il doit y avoir un effet fading de la propagation ou effectivement t'as également changé l'azimut de l'aérien, je ne sais pas. Voilà Gislain, donc je te confirme 14RS barré Delta 02. Tu me reviendras avec le QSL manager. Je ne sais pas par qui tu passes pour le management, parce que comme ça a dû se décider là très récemment, il n'y a pas encore les infos, donc dans ces cas-là je vais faire un petit spot sur la page RS Facebook. Voilà, je t'entends le micro, Ghislain, avec les 73. Ok, avec le 100%, Mike, ouais, le QSL manager, c'est simple, là, c'est le président. C'est le président Jeff, là, sur le département 13, là. Ça s'est décidé rapidement via Facebook, là. Puisqu'il y avait un petit peu de propage, je me suis dit, allez hop, on va tenter voir un petit peu ce que ça donne. Ce matin, il y avait une grosse ouverture, là, sur la Bretagne, puisque tous les QSO que j'ai établis, ils sont faits qu'avec les départements de la Bretagne. Hein. J'ai eu l'occasion de renouveler le QSO avec Hervé 056 et de croiser l'aérien en compagnie de 092 Loïc que je connaissais pas puisque je ne savais pas qu'il existait, hein, que j'avais pas relevé je dirais tous les RS qu'il pouvait y avoir sur la Bretagne. Donc du coup j'en connais à nouveau. Donc puisqu'il s'était signalé en tant que Hôtel Florida, donc 092, et quand j'ai donné mon indicatif automatiquement. Il a basculé également sur RS en me disant qu'il était RS, donc je ne savais pas, donc de là ma grande surprise là. Voilà donc pour l'info de la propagation actuellement, bon, c'est un petit peu carpé de mon côté au niveau des autres stations sud de France. Ça passe par moments, comme tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu aléatoire. Hein. Ça passe fort d'un seul coup, puis d'un seul coup ça va s'estomper. J'ai eu l'occasion également de croiser Jeff ce matin deux fois de suite là, sur le triple 5. Et c'est pareil, hein, ça passe assez carpé, mais après ça remonte d'un seul coup, donc ça devient un petit peu yo-yo. Bon, enfin, on va faire avec, hein. On va pas se plaindre, il y a un petit peu de propagande, on va bien voir ce que ça donne. On aura l'occasion dans le courant de la semaine, s'il y a d'autres ouvertures, là, de pouvoir activer Mike QSL. Ouais, avec QSL 100%, Gislain, ouais, c'est très très sporadique. Donc, comme tu signalais l'effet yo-yo, c'est très sporadique, ça souffle, ça se ferme, ça souffle, ça se ferme, ça fait que ça hein, depuis ce matin. Moi, j'ai pas été très actif ce matin parce que j'ai profité un petit peu de la famille et de l'extérieur. Là, je te dis, je suis en train de faire des montages vidéo perso qui n'ont rien à voir avec la radio. Et j'étais à l'écoute du triple 5 pendant que je bidouillais sur le logiciel. Et je t'ai entendu Delta 02, mais je n'étais pas du tout dirigé vers toi. Ça passait plutôt sur le sud, donc j'étais bimé plein sud, donc j'étais pris sur le côté de l'antenne et j'ai pas prêté attention au QSY. Voilà, enfin bon, c'est pas méchant, l'essentiel c'est de pouvoir te retrouver. Hein. Eh bien Ghislain, écoute, je vais te laisser profiter de la propagation. Là je suis en train de chercher une photo attirante pour mettre sur la page Facebook pour représenter un petit peu l'Aisne. À part la verdure picarde et le drapeau que l'on connaît souvent, je sais pas sur quoi je vais tabler, mais je vais bien trouver quelque chose là qui tape à l'œil. Et je vais mettre l'info là avec le QSL manager via 013 Jeff, et puis l'activation sera faite par 109 Mr Ghislain. Voilà, je m'occupe de ça, je fais ça dans les minutes qui suivent. Je mets le spot également pour 630 en espérant que la bande s'ouvre
et que tu puisses remplir un petit peu le log tout de même aujourd'hui. 73 Ghislain, bon 14 juillet à toi et je te dis à très très bientôt en fréquence. Merci pour cette nouvelle activité et bon courage pour remplir les grilles de log. Et je te dis à très très bientôt. Bondé X14RS barré Delta 02, ici 055 Mike en QSY. Bye bye. Ok, avec le 100% Mike, c'était 54-55 sur le dernier passage. Comme quoi, tu vois, la propagation est vraiment phénoménale. Ok, 73 Mike, je te souhaite également une bonne après-midi. À bon petit 14 juillet, là, si tu sors ce soir, faire un petit tour dans les balles, moi je te propose depuis le dommage. Ok, 73 Mike, c'est au plaisir. Ouais, ça va être calme hein, ce soir, demain il y a le pro là, 73 Ghislain, à bientôt. Ok, 73, QRZ, ici 14, Radio Sugar, barré Delta 02. 14, Radio Sugar, barré Delta 02, à l'écoute, QRZ.